Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être avec nous dans cette édition en version française sur TV Plus Madagascar. Sans plus attendre, voici les titres de ce soir. Madagascar est classé dans la catégorie à faible risque à la Covid-19 avec 28 autres pays, selon le rapport du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, sorti en début de semaine. Le LIST recommande les déplacements dans les pays à faible risque, mais préconise la vaccination au préalable. La consommation de purificateurs d'air et de gel désinfectant hydraulique chez les détaillants, aussi bien que chez les grossistes, a connu une forte baisse, allant jusqu'à 50% depuis l'introduction du vaccin anti-Covid-19, selon les remarques des producteurs. Une situation complètement opposée à celle entre 2020 et 2021, où la consommation a triplé dans le pays. La production de 8 à 12 tonnes à l'hectare est actuellement atteinte par l'utilisation du riz hybride d'après les explications. Les agriculteurs commencent en effet à adopter les techniques spécifiques propres à l'utilisation de la semence de riz hybride. Le groupe État islamique au Grand Sahara a perdu son chef Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Cette organisation djihadiste sanguinaire s'en prend aux militaires et aux civils. C'est elle qui avait revendiqué l'assassinat de 6 travailleurs humanitaires au Niger. La une de l'actualité. Madagascar est classé dans la catégorie à faible risque à la Covid-19 avec 28 autres pays, selon le rapport du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, sorti en début de semaine. Le site recommande les déplacements dans le pays à faible risque, mais préconise la vaccination au préalable. Plus de 80 pays sont encore classés à risque très élevé de Covid-19, notamment la France, l'île Maurice, la Réunion et les Seychelles. Reportage de Fitia Vanadoni de Ivrasata. Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, a classifié plusieurs pays dans le monde suivant le risque de propagation et de contamination à la Covid-19 pour les personnes en déplacement dans ces pays. À ce jour, le site du CDC a sorti publiquement 5 catégories de pays. D'abord, la catégorie 4, de couleur rouge foncé, regroupe les pays classés à risque très élevé de Covid-19. Ensuite, ceux de la catégorie 3, de couleur rouge vif, qui sont à risque élevé de Covid-19. La catégorie 2, de couleur orange, à risque modéré de Covid-19. Puis, il y a les pays de la catégorie 1, de couleur jaune, avec un faible risque de Covid-19, et enfin des localités qui portent la couleur grise, classée inconnue. Une bonne nouvelle pour Madagascar, qui figure parmi les 29 États à faible risque de Covid-19, selon le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC. D'autres pays africains, tels que le Cameroun, les Comores, le Burkina Faso, le Gabon ou le Mali, rejoignent Madagascar dans ce classement. Le site recommande les déplacements dans les pays à faible risque, mais préconise la vaccination au préalable. Les pays de couleur orange, comme le Singapour et la Corée du Sud, sont également parmi les recommandations du CDC, à condition d'avoir été vaccinés. Le voyage n'est pas recommandé pour les personnes qui n'ont pas eu de dose et qui présentent un risque élevé de développer des symptômes graves après une infection à la Covid-19. Le CDC déconseille aussi les destinations classées à risque Covid-19 très élevé, en préconisant que les voyageurs voulant se rendre à l'une de ces destinations soient complètement vaccinés avant le voyage, selon les explications. Dans cette catégorie se trouvent la France, l'Afrique du Sud, les petites îles de Maurice, des Maldives, de la Réunion, des Seychelles et de la Martinique.
Le CDC recommande aux voyageurs qui ne sont pas complètement vaccinés de continuer à porter un masque et de toujours maintenir une distance physique lors de leur déplacement aux États-Unis. Toujours dans ce domaine, la consommation de purificateurs d'air et de gel désinfectant hydraulique chez les détaillants, aussi bien que chez les grossistes, a connu une forte baisse allant jusqu'à 50% depuis l'introduction du vaccin anti-Covid-19 sur le territoire, selon les remarques des producteurs. Une situation complètement opposée à celle entre 2020 et 2021, où la consommation a triplé dans le pays. Aujourd'hui pourtant, les entreprises se voient obligées de diminuer leur production, mais ne sont pas en mesure d'appliquer une réduction des prix en raison du coût élevé des matières premières utilisées pour assurer l'efficacité des produits. Récit de Rina Souramanabouj sur les images d'Ifrasata. Entre 2020 et 2021, période de la pandémie, le gel main désinfectant se vendait entre 5 000 ariars et 50 000 ariars sur le marché et dans les grandes surfaces. Un coût assez onéreux mais qui n'a pourtant pas empêché les consommateurs d'en acheter. La demande a flué et la production des entreprises n'arrivait pas à couvrir les besoins des clients, d'où l'abus de certains vendeurs et distributeurs à augmenter excessivement leurs prix. Cette hausse exorbitante ne provenait toutefois pas des producteurs selon leurs précisions. Si ma mémoire est bonne, en 2016, on était la seule société qui produisait des gels hydroalcooliques. Et en 2020, nous avons effectivement une explosion de nos ventes, 10 fois, 20 fois même, 20 fois même plus. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, c'était uniquement Ambatouvi qui était notre client en 2016. C'est Ambatouvi. Et là, on a des milliers de clients dans tout Madagascar qui utilisent notre produit. Depuis l'avènement du vaccin anti-Covid-19 à Madagascar, cependant, la consommation de gel désinfectant hydroalcoolique et de purificateurs d'air a été considérablement réduite. Les entreprises fabricantes ont été contraintes de diminuer leur production faute de marché. Une situation contraignante dans la mesure où elles ne peuvent même pas appliquer une baisse des prix en raison du coût élevé des matières premières pouvant assurer leur efficacité à neutraliser les virus. Actuellement, nous avons constaté une baisse des consommations des gels hydroalcooliques. Ça, selon notre étude, c'est surtout la négligence des consommateurs de l'utilisation des gels actuellement et aussi la méconnaissance des risques encourus sur l'éventuelle arrivée de la troisième vague. Et nous on conseille toujours les consommateurs à se protéger contre le coronavirus parce que on ne sait pas mais c'est ce qu'à venir dans l'avenir proche. Et principalement, c'est pas. Oui, il y a gel et gel. Il y a gel et gel. Mais ce que je conseille, c'est que les consommateurs doivent être conscients de la qualité des gels qu'ils utilisent. Il y a un taux d'alcool suffisamment pour contrer les virus là-dedans. Et aussi les huiles essentielles appropriées pour lutter contre les virus. Les fabricants incitent tout un chacun à toujours respecter les gestes barrières pour empêcher la propagation du coronavirus et de continuer à utiliser des gels désinfectants ou encore les purificateurs d'air pour se protéger de la récurrence du coronavirus. La production de 8 à 12 tonnes à l'hectare est actuellement atteinte par l'utilisation du riz hybride. D'après les explications, les agriculteurs commencent en effet à adopter les techniques spécifiques propres à l'utilisation de la semence de riz hybride. Cette semence améliorée est actuellement utilisée dans 5 régions dont Sava, Atsimwaje, Fana, Itas, Menabe et Vaknakaraj. Au rythme de la production actuelle, mais surtout avec l'appui de la vulgarisation et de l'extension de l'utilisation de riz hybride, l'autosuffisance alimentaire pourra être atteinte d'ici 2 ans, selon les précisions. Mamtina Djamboul, Omega Genève Zone.
5 ans après son introduction à Madagascar, l'utilisation de semences améliorées dans le riz hybride porte ses fruits et commence à prospérer. En effet, lors de la campagne agricole 2019-2020, la production à l'hectare variait entre 8 à 12 tonnes contre 3,5 tonnes à l'hectare pour la riziculture traditionnelle. Les agriculteurs commencent donc à maîtriser les techniques de la culture de semences améliorées de riz. D'après les précisions, 5 régions adoptent les cultures du riz hybride, à savoir Sava, Atsimwanjevan, Itas, Menabe et Vaknakarach. Si la promotion et la vulgarisation de l'utilisation du riz hybride se fait à grande échelle, l'autosuffisance alimentaire pourra être atteinte d'ici 2 ans, selon les précisions. Donc actuellement, nous rentrons dans la 5e année de production du riz hybride, qui donne quand même un taux de rendement entre 8 à 12 tonnes par hectare. Actuellement, nous avons le grand défi et le challenge de produire dans plus dans les 23 régions de Madagascar, qui va en tout couvrir 30 000 hectares de volume de riz. Donc avec cette volume 30 000 hectares-là, nous pensons que d'ici 2 ans, grand maximum, nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar. Jusqu'ici, c'est surtout le secteur privé qui œuvre dans la promotion de la semence améliorée. Compte tenu des prix considérables des semences et des engrais requis dans ce type de culture, cependant, le système de l'agriculture contractuelle a dû être adopté. Les agriculteurs ne disposant pas de moyens financiers nécessaires dans l'achat des semences dont le kilo peut atteindre les 23 000 ariages, le secteur privé est contraint de leur fournir les intrants et les engrais qu'ils devront rembourser par la suite. Ainsi, l'appui de l'État dans la promotion et la vulgarisation du riz hybride est important, selon toujours les précisions. La balance commerciale entre Madagascar et l'Indonésie est encore déficitaire en défaveur de Madagascar, selon la présidente de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar, ou FCCIM. En effet, la quantité de produits que les opérateurs de Madagascar exportent vers l'Indonésie s'avère moindre par rapport à celle exportée par ce pays vers Madagascar. Or, le marché indonésien représente encore une grande opportunité pour les opérateurs malgaches en termes d'échanges commerciaux. D'après toujours la présidente de la FCCIM ce jour, lors de l'ouverture de la foire internationale de Madagascar. Reportage de Anjala Larsou et d'Omega Ranevson. Les échanges commerciaux avec l'Indonésie renferment encore plusieurs domaines exploitables, selon la présidente de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar. Parmi ces secteurs d'activité que les opérateurs économiques malgaches peuvent exploiter figurent les marchés des cultures d'exportation tels que la vanille, le girofle, ainsi que les minerais comme le cobalt, le nickel et les huiles essentielles. Actuellement, la balance commerciale entre Madagascar et l'Indonésie reste encore déficitaire pour Madagascar. Actuellement, notre balance commerciale est encore déficitaire. Donc l'Indonésie appelle les opérateurs malgaches à contribuer aux augmentations de ce chiffre d'affaires. Nous exportons donc le top 5 de produits malgaches. On exporte en Indonésie sont la vanille, les huiles essentielles, le nickel, le cobalt et le girofle. Par contre, les produits indonésiens exportés à Madagascar sont déjà assez nombreux, d'où la nécessité d'augmenter la disponibilité des produits malgaches sur le marché indonésien. C'est la raison de ce salon, c'est d'approcher le marché malgache et on exhorte aussi les opérateurs à Malagash de contacter l'ambassade de l'Indonésie ou la FCCIM pour plus d'informations. Face à cette situation, la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar sensibilise les opérateurs économiques de Madagascar à renforcer les échanges commerciaux avec l'Indonésie. 9 passagers n'ont pas pu prendre le vol d'Ethiopian Airlines en partance pour Addis Abeba hier. Il s'agit de ressortissants indo-pakistanais et d'un député qui ont été soupçonnés de transport illicite d'or vers Dubaï suite au contrôle réalisé par les douaniers.
La compagnie Ethiopian Airlines d'expliquer qu'elle a effectué convenablement son travail consistant au check-in des passagers. Les contrôles ont toutefois révélé que ces passagers ne détenaient aucunement de l'or et le vol a finalement pu décoller, mais avec moins de passagers à bord, contrairement à ce qui était prévu. Reportage de Sibella Ranjemazave de Fejanjemananzara. Huit ressortissants indo-pakistanais et un député n'ont pas pu embarquer dans un vol d'Ethiopian Airlines hier. La compagnie aérienne a confirmé ce fait aujourd'hui. Sur fond de suspicion de transport illicite d'or, ces passagers n'ont pas pu prendre le vol après les contrôles réalisés par les douaniers. La compagnie Ethiopian Airlines d'affirmer avoir accompli convenablement son travail, qui consiste au check-in des passagers, mais que c'est au niveau des contrôles en douane que les incidents se sont produits. La compagnie ne fait qu'appliquer ce qui est décidé par les responsables étatiques et les douaniers sur le non-embarquement de ces passagers. C'est la deuxième fois qu'un tel incident se produit, nous signale la compagnie Ethiopian Airlines. Raison pour laquelle la compagnie réitère que seuls ceux qui ont l'autorisation des responsables étatiques peuvent prendre des vols. Après les contrôles, aucun or n'a été identifié sur ces passagers hier. Le vol a pu décoller, mais avec moins de passagers à bord, contrairement à ce qui a été prévu. Même avec le retard, la correspondance des vols pour les autres destinations à part Addis Abeba s'est arrangée, rassure la compagnie. Questionné sur ce sujet, le député en question explique qu'il n'a aucun lien avec les autres ressortissants indo-pakistanais refoulés au départ. Lui qui avait également accepté de se faire fouiller lors des différents contrôles et qui compte s'exprimer en temps voulu et opportun sur la situation. Voilà en ce qui concerne les actualités nationales. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le groupe État islamique au Grand Sahara a perdu son chef Adnan Abou Walid al-Sraoui. Cette organisation djihadiste sanguinaire s'en prend aux militaires et aux civils. C'est elle qui avait revendiqué l'assassinat de six travailleurs humanitaires au Niger. Dans la région des trois frontières se déroule une véritable lutte d'influence entre deux organisations djihadistes. Reportage. L'État islamique au Grand Sahara, le IGS, est affilié au groupe État islamique. Ces djihadistes opèrent principalement dans la zone dite des trois frontières, cette région où se rencontrent les territoires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Au Sahel, ils sont en concurrence avec un autre mouvement rattaché lui à Al-Qaïda, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans, le GSIM, dirigé par ce chef Touareg, Iyad Agrali, qui est lui aussi dans le viseur de l'armée. Le GSIM détient un journaliste français, Olivier Dubois, enlevé en avril dernier au Mali. Cette carte montre les luttes d'influence entre le GSIM, lié à Al-Qaïda donc, et l'EIGS, soutenu par l'État islamique. Al-Qaïda contre groupe État islamique, la rivalité entre ces deux nébuleuses terroristes se retrouve au Sahel. L'EIGS avait déjà perdu plusieurs de ses cadres ces derniers mois, tués ou capturés par la force française Barkhane et ses alliés. Les deux groupes djihadistes n'en restent pas moins actifs et violents, s'affrontant entre eux, attaquant des militaires et s'en prenant aux civils. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On vous donne rendez-vous à 19h30 dans la version en malagasy. Bonne soirée à toutes et à tous.